Ça y est, ça démarre? Ça démarre. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, on continue le programme tranquille pépouze des fêtes. Alors attendez. J'ai encore vidéo et mon son. Vous allez me dire qu'il y a de l'écho, etc. Oui. Justement, j'ai continué à construire mes scènes hier. J'ai bidouillé plein de trucs. Merde, je me rends compte que j'ai pas pris mes télécommandes de mes deux téléviseurs. Du coup, j'ai l'air ballot pour régler le son. Je reviens! Merde! Serait-ce un faux départ? Attendez, là, je suis scalpé, moi. Pourquoi je suis scalpé, moi? Il n'y a pas de scalpé, moi. Oula, oula. C'est un scandale. On voit l'arrière-plan. L'arrière-plan secret. blague à part. Alors, attendez voir que je réfléchisse. J'ai un cerveau, je vais essayer de m'en servir. Et là, du coup. Ah, si, je m'entends. Mais faut pas que je m'entende trop fort. Sous peine que vous ayez un écho. C'est pas du tout évident. Alors, attendez. Que je cogite, que je cogite, que je cogite. Parce que. Il faut que je m'arrange pour ce que vous ayez un. Un retour cool. Comment je peux faire mon affaire, moi? Alors attendez, si je fais ça. Ah, c'est risqué, mon bazar. Mais bon, je vais la tenter. Je vais la tenter. Vous êtes toujours aussi nombreux, vous êtes zéro. Ce compteur me fait rire. Aïe aïe aïe. Ah bah là j'ai l'air vachement petit dans la caméra là. Merde. Mais je sais pas cadrer. Qu'on voit juste un peu mon crâne d'œuf là. C'est vrai que je mets plus de coiffe depuis 2-3 directs. Mon Dieu, je vois des. Bonjour STK Vortex. Ah bonjour. Oui bah j'espère que tu vas bien. Permets-moi de t'appeler Vortex. J'ai envie de dire que c'est le. La partie la plus prononcée et la plus belle de ton pseudo. Vortex, ça fait classe. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Alors pardon, je suis en train de fabriquer ma chaîne. Hein. C'est pour ça qu'il y a un gros truc noir. Et je suis en train de réfléchir à comment je vais rebondir pour faire de la diffusion. D'ailleurs, je sais même plus ce que je voulais faire. Waouh! Et je vais me concentrer un peu. Tac 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 tac, relecture des paramètres. Oui, je voulais lancer le jeu et me dire je vais peut-être réussir à le capter convenablement. Minute papillon, il est là le last rite. Alors, mon jeu charge, je vous le dis parce que vous avez pas le signal. La captation elle est pas automatique. Je vais sur le manip. D'ailleurs, en parlant de. Non, mais je vais peut-être bien me brancher un périphérique de jeu. Qui est le divin Nostromo. Alors, c'est vrai que ça fait pas sérieux le fait que j'improvise. Avant de lancer un direct.
c'est-à-dire que je suis un peu plus gros dans les cheveux barbés. Ouais, un petit peu fort, ok, merci. Alors, très bien, excellente remarque. Bonjour Dragon Sky, j'espère que tu vas bien. Alors, petit réglage en perspective pour moi. Donc, il y a Vortex qui me dit que le son du jeu est trop fort. Je vais régler ça. Ah oui, en effet. Là, comme ça, déjà, ça doit être plus agréable. Je reste dans les... Vous savez, j'ai les barres de contrôle... dans les studios, là, vert, jaune, rouge. Et j'étais dans le rouge. Donc là, je suis redescendu dans... Bonjour, Sami Sag. J'espère que vous allez tous bien. Là, normalement, je devrais plus saturer. Ça devrait être plus correct. Et maintenant, je vais essayer de capter le jeu, que vous y voyez quelque chose, quand même. ça va de là. Non, mais pardon. Vous allez voir des fameuses barres. Alors là, vous voyez un peu complètement ce qui est. Ah oui, il y a fait le. Attendez voir. Attendez voir, je vais essayer plusieurs choses. Je vais peut-être essayer la capture de fenêtre. Alors, comme je fais des vieux jeux rétro, ça peut être assez acrobatique de pouvoir capter quelque chose. Apparemment, ça le fait pas. Dommage que ça ne passe pas. Je suis déception. Voilà. Attendez voir. Ouais, c'est mêlé sous deux box. C'est un vieux SPF rétro des années 90. Non, à mon avis, il va aimer que la capture d'écran. Alors attendez. Si je fais la capture d'écran comme ça. Hop. Et que je mets ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi je me vois en x3? Le son est trop fort encore! Oh merde! Sinon, il y a une triche imparable qui est le mélangeur de volume de Windows. Hop là. Et là, normalement, vous devriez plus être sourd. Ouais, comparé à ma voix, ouais. Ouais, je suis en triple exemplaire, c'est pas normal. Je bidouille. Pourquoi je me vois en X exemplaire, moi? Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hop. Et si je fais ça? Ouais, si je me trompe d'écran, forcément, ça va pas aider. Et si je fais ça? Pourquoi il n'y a pas captation de... Ah, attendez, j'ai une idée. Oui, merci, c'est le stade de faire une vidéo de fidélité. Bienvenue à toi, merci, ça fait toujours plaisir. Ah, si je fais un truc comme ça, c'est jouable. Alors, minute papillon. Je vais intervertir entre les deux écrans. Je vais faire un truc comme ça. Pouk. D'ailleurs, si je fais pas l'idiot, je peux faire un beau truc. Je dis que je veux capter l'autre fenêtre. C'est une sacrée cuisine, hein, la captation sous OBS. Donc là, effectivement, je déclare que je veux capter l'autre écran. Tac. Hey, c'est pas mal le signal que je vous renvoie. Ah. On est pas mal là. C'est cool. Bonjour SDR, j'avais pas vu ton arrivée, pardon. Tu vois, c'est déjà le merci soir, tout le plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Alors, merci. Faut que je vous explique, comme je suis en train de monter ma chaîne en ce moment, j'ai deux alertes pour un même événement. J'ai l'alerte en bas en premier qui est de Wisebot. Et ensuite, j'ai l'alerte secondaire qui arrive dans un... Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue.
Bienvenue à vous en tout cas. Installez-vous confortablement. Ça y est, on va se lancer dans le dans l'Astéroïde. Alors, c'est une suite pour moi. Hein. C'est pas la première fois que j'y joue. D'ailleurs, je m'étais dit que sur ma chaîne YouTube, il faudrait que je vous fasse une liste de lecture, que vous repérez les épisodes qui correspondent à tel ou tel jeu. Je ferai un peu plus de rangement cet après-midi. Voilà, vous puissiez vous retrouver. Je vais lancer la partie si le jeu veut bien me laisser de prendre le focus sur le jeu. Voilà, chargé, voilà, reprise. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Bah, tu sais que j'aime pas les anglicismes, alors followers, je le traduis par fidèle, fidélisation, voilà, fidélité. Alors, explication d'ailleurs pour ceux qui n'étaient pas là. J'incarne donc, vous voyez le flingue en premier plan, un mec des forces spéciales. On est dans un milieu post-apocalyptique, alors pas vraiment zombie, encore que ça s'y prête. C'est des morts vivants. On ne sait pas pourquoi, on a des gens qui reviennent à la vie et qui deviennent hostiles. D'où le nom du jeu, Last Rite, les derniers rites. Il correspond à l'embaumement, le fait de, voilà, de traiter les morts. J'étais coincé, comme vous pouvez le voir à l'écran, même si ça ne se devine pas forcément, dans un supermarché américain, ce qu'ils appellent The Mall, où j'ai eu un mal de chien. La mission précédente, c'était trouver 3 caisses de médoc à chaque étage différent de la grande surface labyrinthique américaine. Et mon dernier direct sur ce jeu, j'avais galéré pendant de longues minutes, ça devenait chiant, j'ai coupé et j'ai cherché la solution hors antenne. Donc j'ai tourné en rond comme un ego pendant de longues minutes. À mon avis, c'est passé une heure ou deux. Et c'est rigolo, on voit un peu les 1 sur le côté, là, on se croirait dans la matrice. C'est un débordement de mon Winamp. Bref, ça n'a pas d'importance. J'ai fini par trouver la troisième caisse qui me manquait et à me rebarrer par là où j'étais arrivé pour évacuer sur le toit du supermarché. Et je vais donc me barrer. Et je vais vous lire aussi dans le chat, ça peut aider. Merde, pourquoi je peux pas bouger? Ah, j'ai pas mis focus de la souris dans le... Ah oui, il faut sortir là. Voilà, mission complète. Tac. Mon périphérique de jeu vient de se casser la binette. La 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 la. Eh, vous avez vu le chrono? J'ai plus de 2 heures là, presque 2 heures et demie. Alors, ah bah moi depuis ce matin, j'ai le serveur de requête DNS qui est tombé en panne, je regarde la rediffusion en 4G. Oh merde! Oh c'est chiant ça! Oh là 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 là! Ça m'étonne parce que les pannes informatiques entre les fêtes, entre Noël et Nouvel An, j'ai envie de dire, en général, il n'y a pas censé avoir. Pourquoi? Parce que les techniciens informatiques, ils prennent leur repos à ce moment-là, que je sache. Mais apparemment, je me plante, les temps ont changé. Enfin bref. Voilà, allez, on se lance, c'est pas tout de baratiner comme un ego. Alors pardon, vous allez me voir siroter de temps à autre mon café au lait, hein. C'est pas comme si on était le matin. Alors, la mission suivante, 2 jours après. On a reçu un appel d'une bande de survivants localisée à plusieurs kilomètres au nord de la ville. C'était le docteur Rubius qui a formé apparemment une escouade, si j'ai bien compris, dit de Doomsday, enfin le jour de l'apocalypse. Ils ont découvert une méthode pour stopper l'infection des morts-vivants. Ah, il y aurait un remède. À quel prix? Suspense. Et n'oublie pas de boire de l'eau. Oui, aussi, tu as raison. Tiens, d'ailleurs, tu as d'autant plus raison que j'ai pas rempli ma cruche, moi. Alors, nous devons réagir rapidement. Alors, pardon, je traduis l'anglais rapidement à la chiasse. Je triche. Quoi? Dizanorv a été envoyé, collecter le groupe et... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et retourner à la base. Alors la base, c'est pas le deuxième supermarché qu'on a vu là avec les 3 caisses de médoc. La base, en fait, c'était une des premières missions. C'était un autre supermarché que j'ai désinfecté avec mes membres d'escouade pour avoir un point de repère pour les équipes d'éradication et de maîtrise des morts-vivants dans la ville. Il est pas mal foutu, hein, ce vieux FPS. Je le connaissais pas du tout. Je sais pas si certains dans le chat le connaissaient.
Ah oui, Dragon Sky, tu sais, les serveurs DNS, il suffit que tu te loupes dans la saisie d'un caractère et ça fout tout en l'air. The Craft, comment ça, The Craft a été attaqué? The Craft, pour moi, c'est un assemblage. L'assemblage a été attaqué, tac tac tac. Nous avons reçu un signal de détresse, mais nous ne savons pas s'il y a des survivants. Alors, suite du message. Toi et ton équipe devez localiser le Dizanorv et transmettre les coordonnées. Information à partir du docteur Rubius, enregistrements ont été retrouvés. Nous devons voyager en pick-up. Enfin, vers le pick-up. Où ils seront en sécurité. Bonne chance, commandant. Voilà, c'est la mission 5 qui démarre. Eh ben, je sens que je vais m'en prendre plein la tronche. Allons-y, soyons fous. Ah, oui, et oh! Je m'en prends plein la tronche dès le début. Non, mais ça va pas, non? J'ai envie de dire, j'étais pas prêt. T'as tout de suite, je me fais saucer. Hein, Dudu? Bah, pourquoi il prend pas le radar? Le radar, c'est super important, il veut pas que je le prenne. Je ne comprends rien à ce jeu. Il y a des trucs qui m'échappent. Bon, normalement, j'ai mon artillerie d'eau. Attends, je vais là ou je vais là ou je vais dans le métro? Ce qui me met face au métro, c'est bizarre. Vous savez quoi? On va errer un peu dans la ville, quitte à trouver des trucs. Ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Oh! Il y a déjà du monde là-bas. On va aller les débusquer, les vilains. Oh la vache! C'est des anciens membres de comme moi, mais qui sont devenus des méchants du côté des morts-vivants. Oh merde! Comme l'équipe bêta que j'étais censé sauver dans le précédent supermarché et puis en fait ils se sont fait entre guillemets zombifier quoi. Attendez, on va faire le tour du quartier. Enfin, il est grand le quartier. Oula. Oula. Oh merde. J'ai un pote qui est mort. Ah con. J'ai un coéquipier qui a dégusté. Merde, c'est pas le bon flingue, le fusil à pompe. Faut être proche pour le fusil à pompe. Non, mais non, mais non. Waouh. Mais qu'est-ce qu'il me tire dessus? Ah, j'avais pas vu, j'ai loupé une balise. Merde. Là, je joue mal, je suis quasiment mort. Alors, je vais revenir au début parce que je vais reprendre du matos que j'ai pas pris. Je démarre vachement mal, moi. Ou alors, je suis pas frais ce matin. Ou alors, la difficulté est vraiment croissante. Et mission après mission, la barre est légèrement relevée à chaque fois. Putain, on voit même des gugus là-bas. Wouah! Il se passe des choses en ville. Ah, j'avais pas de trousse à pharmacie dans le lot. Oups. Ça promet d'être dur. Voilà. Attendez, c'est vrai que là où j'étais tout à l'heure, mais c'est pas grave, on fera vraiment le tour de la ville. Je me demande si j'ai pas vu des volets roulants là de. Je me demande si c'était pas une porte avec laquelle on pouvait interagir.
Et pour ceux qui sont déjà présents dans le chat, n'hésitez pas à vous amuser avec les jeux dans le chat comme la pêche. Ou la bombinette à confetti, là, le point d'exclamation plante, par exemple. Enfin, quoique, non, je dis ça, vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes que trois. Voyez les rideaux volants? Le volant. Les rideaux volants. Oh, roulant, pardon. Certains, parfois, peuvent s'ouvrir, faut tester. Bon, là, il est inerte, mais... N'importe quoi, moi. Ah, tiens, bah, je reconnais ça. C'était le départ de ma mission numéro 1, j'étais là, moi, dans la ville. Oh, bah alors il y a plein de... Ouh là là, il y a plein de choses. Mais la ville, elle est énorme. On va errer sans fin dans la ville, vous allez voir. Ça va durer des heures et des heures. Ah mon dieu! Non, ça va, ça a l'air un angle fermé, là. Ah, ils sont vilains, les concepteurs de la carte. Ils donnent pas beaucoup de bonus dans la ville. On sait que c'est censé être délabré et tout le bazar, mais... Oh, mazette! C'est la cavalcade, ici. Wow! Attendez, je vais sauvegarder, je suis pas sûr de m'en sortir vivant. Je recommence à 1, je pense, la sauvegarde. Ça va peut-être bien. Ah oui, ça va in-game. J'essaye de forcer le jeu. Wow! L'angle, il est terrible. Mais, ah la vache, il y a un mur de carrément de... Non mais je vais crever, là. Bah oui. Oh la vache. Alors, en fait, il faudrait... Oh, joli. Je pense que c'est mon coéquipier encore vivant qui lui a donné une correction. Bah, tu parles que la mission est un échec. C'est la boulette. C'est la boulette. Attends, je recommence avec le même matos. Bah, du coup, je vais me faire allumer dès le départ, là. Bah oui. Hop là. Ah, mais là, pour le coup, j'ai tout mon escouade. Par contre, est-ce que j'ai tous mes flingues? Ouais. Ça va. Ah oui, mince, c'est vrai, vous voyez pas mes données de... Attendez, j'ai pas le bon plan, que je suis bête. J'avais oublié que j'avais le bandeau en haut de l'écran. Alors attends, en plus il me donne des infos que j'ai pas lues. En bas, en vert, là. Des mercenaires, tac, 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 tac. Oui, ils disent qu'il y a des mercenaires rebelles, bref. C'est bon. Une manière astucieuse pour les développeurs du jeu de bien exploiter les ressources. Alors attendez. Hop, que je fasse pas d'idiot, que je fasse les bons choix. Moi, il faut que je vous mette là, le plan là. Enfin, si j'y arrive encore. Voilà. Là, pour vous, c'est déjà vachement mieux. Tac, 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 tac. Ce qui peut être cool pour moi aussi. Pardon, vous voyez mon chatty de... Hop, au niveau du contrôle des... Hop là. Ouais, c'est sympa comme ça. Là, du coup... C'est bien, en plus, je peux voir vos messages avec le chat et tout. Ouais, je regarde ce qui se passe. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Alors, sauf erreur de ma part, je suis un peu attristé. J'ai l'impression que les deux personnes qui sont arrivées dès le début et qui ont fait acte de fidélité, ils sont plus là. Oh, c'est dommage. Oh, il y a du matos derrière. J'ai bien fait de fouiner. J'avais pas fait gaffe la première fois, mais derrière le panneau de pub, il y a du matos. Bon, allez, je recommence à désinfecter. Ah oui, il y avait déjà du monde là-bas. C'est la guerre. Ouais. Ah. C'est le Baja, c'est le beau deal.
Oula. Ah oui, j'ai vu que c'était pas le bon flingue. Ah, oui, il faut que j'aille au... Attends, c'est la dernière fois que j'approche au fusil à pompe dans les rues, parce que... Il faut que j'y aille au lance-roquettes, en fait. Hop, 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 sauf pour eux. Sauf pour eux, parce que tant que j'ai la... Oh là là... Oh là, oh là là... Putain, mais le délire. Alors, je pense que là, je suis en train de faire les rues dans le bon ordre. Au niveau action, carnage, le rythme est bon. C'était quoi le... Attends, oui, parce que j'ai un lance-roquette et j'ai un lance-lame. Ça, je crois que c'est le lance-roquette. Si je refais face à la pile de tourelles, là, de... Et me faire allumer. Ibi. A medikit. Alors, au moins que j'ai pas la phase là à refaire, là je vais sauvegarder. Voilà. Ah non, c'est pas un rideau, c'est bien. Ah, on est d'accord, je peux pas y aller. Alors attends, là il y a du peuple là-bas. Les rues ont l'air désertes. Bizarre. Un goujon de la doux. Bien joué. Ah, est-ce que ce rideau se lève? Non, il réagit pas. Oh tiens, j'en ai une pas mal à vous raconter par rapport au jeu là. Parce que donc j'ai joué en antenne à ce jeu là pour avancer et voilà, pour aujourd'hui c'est cool. Mais j'ai essayé, souvenez-vous, le jeu sur l'île mystérieuse avec l'Egypte là. Merde, c'est pas le bon flingue que j'ai pris, mais il est tout aussi efficace. Donc je ne m'en plaindrai pas. Le Killing Time, je suis bloqué, si vous vous souvenez. Dans mon direct, je faisais face à une porte qui s'éclairait quand j'interagissais dessus, mais elle s'ouvrait pas. Donc moi, entre temps, j'ai pris enfin le temps de lire le manuel du jeu. C'est pas mal, il y a un univers construit autour, il y a, on va dire, une histoire de famille avec 7-8 personnages quand même. Et ce sont dans ce roquette. J'ai dit des bêtises. Bref, il y a un scénario quand même. Il y a de l'écriture derrière. Et je me suis fait peur en fait, parce que à un moment j'ai relancé une deuxième fois le jeu. Oui, j'avais eu un crash en fait. Le jeu s'était figé alors que je jouais en antenne. Et il a pas voulu se relancer. Je me suis fait vraiment une bonne frousse. Donc du coup, je suis allé carrément jusqu'à désinstaller le jeu pour le réinstaller en espérant débloquer la situation. Et ça n'a pas marché. Je me suis dit, merde, je vais plus pouvoir jouer à Killing Time du tout, du tout. Et sans explication aucune, au bout de 3-4 heures plus tard dans la journée, j'ai fait une tentative désespérée qui s'est avérée fructueuse. Je suis parvenu à relancer le jeu. Oula, 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 oula. Ou alors là, faut bouger parce que ça sauce. Wouh!
Bon, le fameux mur de... Ouais, mais le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de roquettes, moi, derrière. Oh, l'Uzi, il est bien aussi comme flingue. Mais j'en ai pas beaucoup non plus. Tac, tac. Je pense que j'évolue bien dans le jeu. Ouais, carrément, quoi. Le truc vachement frustrant qui met les chocottes, quoi. Je dis, mince, je vais pouvoir vous le diffuser. Parce que le jeu a son charme, quoi. Moi, j'aime bien. Bref, heureusement, je suis parvenu à le relancer à nouveau après maintes péripéties. Et... Je pense qu'il faudrait que je dégote une clé en fait sur l'île. Je pense surtout aux grottes là où il y avait les clébards bicéphales dans le jeu. Que j'essaye de trouver là. Je pense que c'est une clé qui manque pour la porte qui s'éclaire. Et si je la trouve, que je vois que ça ouvre la porte, bah, je sauvegarderai là et je reprendrai le jeu en diffusion à ce moment-là, histoire que vous vous ennuyez pas. Que je tourne pas en rond pendant des heures. Voilà, vous savez tout. Moi, ouais, je finirais bien par trouver la solution. Oh merde. Attendez voir. Ah non, je croyais que j'avais l'usine, mais non, mais c'est le pépon. C'est pas le bon flingue là que j'ai pris. Oh là là, mes membres d'escouade, ils vont déguster là, ça va pas mon truc. Merdome. Panique. Oh là, putain, mais il y en a partout des bornes à... Waouh. Ah oui, ils ont pris cher là, les pauvres. Attends, je crois qu'ils sont restés derrière, enfin si c'est eux. Attends, comment reconnaître mes membres de ma propre escouade et ceux qui sont vilains? Ah oui, là, je comprends pas, là. J'ai plus qu'un mec, où sont les deux autres? Ok, ce jeu est bizarre. Voilà, il est là mon Uzi. Oh, j'aurais dû le reconnaître. J'aurais dû le reconnaître. Je vais me rasseoir bien dans mon siège parce que là j'ai mal au dos. Je suis mal installé. La colonne vertébrale est pas droite. Je vais continuer par là. Oh merde. Oh là! J'ai même pas le temps de vérifier la route à droite. Oh merde, je suis mort. Je ne suis pas invincible, je ne suis pas un Terminator. Et mid. Oh, le lance-roquette est génial, mais bon, j'ai plus beaucoup de munitions, c'est ça qui est chiant. Attends que j'ai reçu que je suive les rues. Papa, papa, papa. Ça y est. Ah non, pas ça y est. Donc je tire la boum. Là, il y en a un là. Tac. Merde, j'ai loupé mon tir. Je crois que pendant un moment, il y aura plus grand monde. Ah si, là-bas il y a encore des...
Ah, faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge. Ah, distance, il est pas mal, l'Uzi. Enfin, ouais, je révise mon jugement. Non, il est pas si bien que ça. Ah. Wouah, il y en a sur les toits maintenant. Non, c'en est un, ça. Bah! Oh! Je me suis fait avoir dans le dos. On y retourne. Courage! La persévérance est la clé. Mince! J'ai pas fait recharger la. Je vais avoir deux chargements du coup. Non, attendez. Bah tiens, je vais. Non, j'allais dire, je vais me faire zigouiller. Non, ils sont. Ils sont neutralisés. Je vais pas tout recommencer non plus. Pas facile, je sais qu'il y a un truc là-bas. Oui, il y a eux. Plouk, plouk, plouk. Merde. Vache. Oh là là, j'ai mes membres de. Des squads qui se sont explosés. Bah! Ouais, j'avais eu lui. Je joue encore moins bien que la fois précédente. Ouais, j'ai envie de dire, c'est pas le bon flingue. Oh merde, j'ai plus de quoi équiper, ils sont tous morts. Oh là là! Il y a des ennemis partout. Oh là là! Dur, 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 ça craint du boudin là. C'est quoi ça comme arme? Ça a l'air l'équivalent d'un lance-patate. Je vais m'en contenter. Bon, bah je vais continuer seul. Ah, je l'ai eu. Oh la vache. Ah, j'ai bien visé, je l'ai eu. Et lui, bah... Ah merde, il m'a touché. Oh! Il y en a partout! C'est la guerre. Là, j'ai l'impression que le jeu rame un peu. Ah ouais, j'ai 10 images secondes. Comment ça fuse? J'ai mon contrôleur de. D'image seconde. Pourquoi j'ai 5 images secondes? Bizarre que je le rame. En plus, je suis enfenêtré. Ah, y a un problème d'optimisation du jeu, c'est pas possible. Voilà, j'ai eu le temps de tirer. Ah, je l'ai eu. Oh merde. Voilà. Oh, le comité d'accueil, toi. Voilà. Je me suis cerné des deux côtés.
En fait, c'est parce que c'est un grand milieu ouvert. Attends, mais il y en a partout! Je vais pas m'en sortir! Oh la vache! On dirait pas comme ça, mais la ville elle est grande, hein. Ça c'est cool. Ah c'est très cool. Je me refais une santé comme on dit. Ah là là là. Oui. Oh! Il y a du peuple. Je vais peut-être changer de flingue. Le sacro-chat fugit à peu près. Et... Oula! Il y a encore des bornes dans le. Oh merde, je suis à. À vue de l'autre là. Ah merde, non, c'était un gars. Ah lui, ça lui fait pas grand chose. C'est bizarre. Hop, 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 hop. Non, c'est plus une meilleure arme contre les machines, celle que j'utilise là. Ouais, parce que du coup, j'utilise pas mal de munitions et. Hop là. Merde. Putain, mais y'en a du monde! Je suis en train de me faire défourailler. Tout le bénéfice que j'ai eu tout à l'heure avec la. On peut aller dans l'église? Non. Je veux bien une messe. Oh! Mais d'où il sort? What? Je me suis fait mitrailler, mais généreusement, quoi. J'ai pas compris. Alors, je sais plus si c'était toi, Zer, ou quelqu'un d'autre qui m'avait posé la question s'il y avait des boss dans le jeu. J'en ai pas encore vu en soi, mais là, le mitraillage auquel j'ai eu droit, je me demande si c'en est pas un. Donc j'ai changé de flingue puisque je sais que je vais faire face à. Ah je vais peut-être tenter à l'Uzi, tiens, l'Uzi va peut-être même réussir. Oui il y a un commando qui squatte devant le cimetière et l'église. Ah non je m'expose trop, c'est la folie. Oh, il n'y a pas des bonus cachés dans le... C'est un scandale. C'est pas évident de...
d'esquiver les attaques. Je sens que je vais pas rester en vie longtemps. Alors je me souviens que dans les angles du cimetière il y avait du matos. Kenny a plus. Ok, ça fait plaisir. Étrange vitraux. Bon, j'ai désinfecté la zone. Kick. Et de 4. D'ailleurs, je repense à la programmation de ma chaîne. Tout à l'heure, il faudra que je demande votre participation. Enfin, j'ai envie de dire toi SDR, parce qu'apparemment, t'es le seul connecté en ce moment. Il n'y a pas grand monde ce matin. Au niveau des montages de scènes, déjà, évidemment, n'hésitez pas à me critiquer, à me donner votre avis, votre point de vue. Si vous avez des idées, j'en prendrai bonne note, mais faire des tests de vidéos en fait. Voir si ce que j'ai mis en place fonctionne. En fait, j'ai envie de tester deux méthodes différentes d'OBS pour émettre une vidéo en direct. En fonction des circonstances, en fait, les deux méthodes vont m'être utiles. Je vous donnerai plus de détails au moment venu. Là, il n'y a pas des bonus cachés, là? Oh! Bande de radins! Ouais, je reconnais la zone de... Grâce à ça, je reconnais la zone de début de la toute première mission. Et voilà comment le dernier membre survivant du commando fut condamné à errer seul dans une ville vide de ses habitants. A fait presque une intro contre de la crypte là. Bon, on voit que c'est l'artère principale, vu que ça tire tout droit au loin. Je vais traverser pour voir si dans les rues annexes, j'ai pas loupé un truc. Et on reconnaît le schéma américain, le quadrillage, quick, quick, quick. C'est pas nos routes françaises où ça part dans tous les sens. On voit que culturellement, c'est pas la même chose. Bizarre, bizarre. Et vous aurez remarqué, c'est la seule ville où c'est sûrement par décret municipal, tous les immeubles ont un rez-de-chaussée plus 4 étages. A pas le droit d'avoir un étage de plus ou de moins.
Enfin, je fais mon vilain en critiquant le jeu, mais bon, il faut se remettre dans l'époque technologique, les années 90. Les ordi n'étaient pas très puissants. Et encore, on voit, il y a des belles variantes, hein. Il y a de la géniosité dans la modélisation du Schmilblick. Même là, par exemple. Pas mal. C'est vraiment une pure découverte, ce FPS. J'en avais jamais entendu parler. J'aurais pas tapé délibérément FPS rétro années 90 dans le moteur de recherche Steam. Je l'aurais jamais débusqué. J'ai tapé le nom du jeu dans Google, je crois que je vous l'avais déjà dit précédemment. Vous avez les derniers rites anglicans, mais qui arrivent en première réponse. Mais le jeu, il n'existe pas. Hein. Sa popularité est quasiment nulle et je comprends pas parce qu'il mérite de. Alors il est spécial, il a ses défauts, on l'a vu ensemble le jeu là, mais il mérite d'exister sans déconner. Moi j'aurais été bien content de l'avoir quand j'ai à l'époque où j'étais adolescent là. J'aurais eu ça sur mon ordi pour les grandes vacances, je m'en serais contenté le temps d'un été. Hein. Ça m'aurait tenu en haleine un petit moment. Attends, là je comprends plus. Je crois que je vais finir par m'engouffrer dans une. Pas une bouche d'égout, une bouche de métro. Ah! J'ai pas fait ici. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bouche de métro, on v'là une. Alors attendez. Va y avoir un peu d'action. Action. Alors déjà, je vais voir derrière ça s'il n'y a pas du matos. On veut du matos. On veut du matos. Ah bah j'ai remonté à 200 vies, c'est cool. Alors, l'Uzi est peut-être pas la meilleure arme contre le. C'est ça, je crois que les machines n'aiment pas. Alors, j'attends que les salves passent. Ouais, je l'ai eu. La 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 la. Et la comité d'accueil à droite à gauche. Oula, oui. Aïe, merde. Ah, je pensais remettre dans la ruelle et puis finalement j'ai merdé. J'ai merdé mon reculon. J'ai merdé mon recul, pardon. J'ai merdé mon reculon. Oh. Ah non, mais c'est sûr, la suite, elle est par là. Ça, c'est le secteur de la ville que j'ai pas fait. J'aime bien la vitesse du projectile. Oh là là, mais c'est quoi cette ville de fou? Oui, y a pas de crash. Ah tiens, en parlant de crash, c'est marrant. La version de base que j'utilise là maintenant, qui est la nouvelle, qui est censée tenir plus de 3 heures, j'ai fait exprès. Comme j'ai fait une opération de maintenance cette nuit sur mon ordi, j'ai pas éteint mon ordi. Et délibérément, j'ai fait exprès de faire tourner un truc en boucle sur l'OBS sans émettre, hein, mais juste le faire tourner sur mon ordi avec Discord et mon navigateur internet qui bouffe des ressources. Et ben au petit matin, il y avait plus rien. Ils se sont bouffés la tronche comme Streamlabs OBS. Donc je pense que cette version d'OBS, sans déconner, est plus stable, mais elle crache quand même au bout d'un certain moment. Mais je pense que c'est après un bon paquet d'heures, genre 7-8 heures après. Là, comme j'ai fait un bon dodo de 8 heures cette nuit. Non mais c'est sûr, la suite elle est là. Par contre, j'aimerais bien dégommer la borne au loin. Enfin, si j'arrive à bien viser. Parce que l'autre il va me saucer et je vais pas être prêt à lui faire face. Sauf si j'ai le sacro-saint fusil à pépon! Ah! Envie de dire, je joue bien. Je progresse. Ah, j'ai peut-être pas mis ma lumière assez forte. Je trouve que ma tronche est un peu terne à l'écran. Alors, j'ai envie de vous dire, en même temps, ça vous met dans l'ambiance. Ça pourrait tenir le temps de tes lives. Oui, et puis tu sais, au pire, je relance. Hein. Oh, il va y avoir toute une escouade là-bas.
Oh là là, il y en a déjà une ici. Ouah, bah, 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 bah. Ouais, seems good. Le pouce levé. Bah, en tout et pour tout. Merde, putain, j'avais même pas vu la. La borne à l'angle. Alors, attends, oh, attends, là, ça devient viril, là. Il y a de l'animation. Là, par contre, je peux comprendre pourquoi le taux d'image par seconde s'effondre. Parce que il y a du monde à l'écran. Oh, oui, j'ai osé faire le fusil à pépon de loin. Attention, je vais me mettre dans l'angle là. À l'opposé, il n'y a rien. Non, ça va. Oui, au pire, oui. J'ai sous la main, au pire, j'ai trois versions d'OBS, quoi. Donc, on va dire que j'ai de la ressource. Mais maintenant, c'est dans ce nouvel OBS que j'ai mes meilleures scènes. Que j'ai le plus de scènes. Là, maintenant, j'en ai 6-7 des scènes. J'ai bossé à mort hier après-midi. Je vais sûrement continuer cet après-midi. Merde, mais comment qu'il me sauce, lui? Pardon, excusez-moi, mais je joue mal. Je me laisse surprendre par l'ennemi. Oui, on n'a pas raison de s'en faire. Ouais, tranquille. Ah, bah, 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 bah. J'allais dire, j'étais en train de me faire saucer, là. Et c'était pas de face. C'était pas de face. Putain, il y en a encore. Vache, c'est... Oh, il y a un truc sur le toit. C'est quoi ce bordel? Wow, il y a une étrange structure qui dépasse des 5 étages là, de réglementaire. On dirait une antenne militaire, je me trompe. Putain, j'ai quasiment plus de munitions de fusil à pépon. C'est quoi ce truc? Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un aéronef? Attends, le Calgary Unity est référence commander the way. Hang in there. Bon, bah, on progresse. Je vais sauvegarder dans un, moi. Le rythme est tellement soutenu. J'ai les extraterrestres. Insérez la musique d'X-Files ici. Alors le générique d'X-Files, moi qui suis fan de la série, j'ai traumatisé ma nièce avec le générique. Quand elle était petite, ça lui faisait faire des cauchemars, la pauvre. Rien que les premières notes. Et aujourd'hui encore, à l'âge adulte, là, elle a fêté ses 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Ça passe pas. J'ai pas le droit de jouer le générique d'X-Files en sa présence. Interdit. La pauvre, j'ai traumatisé ma nièce. Ah là là, si par tout ça elle me regarde, je l'embrasse, gros bisous. Ah là là. Alors, c'est là où je faisais bien de prêter attention aux propos qui me donnaient en bas de l'écran en vert, là, le débrief de mission, parce que... Ouais, elle a rien demandé, ma nièce, complètement. Ah, il faut peut-être que je clique sur la porte du bâtiment, non? Je peux pas aller rejoindre. Alors, dans ma traduction, la chiasse... des instructions. Oui, on lui fait une dédicace. Oui, merci pour elle. Dans ma traduction à la chiasse de ce qui s'est affiché en bas de l'écran, j'avais cru comprendre qu'il y a du monde qui allait me rejoindre. Sauf que ça n'a pas l'air d'être le cas. Ou alors l'intéressé a atterri ici, et vu les toits, il s'est barré sur un quartier ailleurs. Il a trouvé peut-être au versant opposé de l'immeuble la façade à laquelle j'ai pas accès, un escalier de secours, et puis il s'est barré par là. On va voir.
Alors c'est très particulier, mais moi j'aime bien de déambuler dans cette ville. Moi ça me procure du plaisir en promenade virtuelle, en plus je papote comme un nigaud. Aïe aïe aïe. Il est 10 h. On va s'écouter du Mylène Farmer. Non, je déconne. On n'a pas les droits de toute façon. Je me ferai censurer DMCA si je mets des œuvres protégées. Tiens, en parlant de Mylène Farmer, blague à part, elle a pas. Parce que là, elle arrive dans un âge plus qu'honorable. Elle a pas annoncé sa dernière tournée, je crois. Hein. Elle a fait L'âme dans l'eau, je crois, son dernier album, carrément. Et puis voilà, elle va fermer le rideau sur sa vie d'artiste de manière très classe, la connaissant. Et... Punaise. Moi, j'aime bien Mylène Farmer. Je sais pas si c'est votre cas dans le chat. Inenumeramentur. Pourvu qu'elle soit douce. Ah oui, ce bâtiment-là aussi, il était bizarre. Ouais, ces deux bâtiments-là sont pas réglementaires. Ils font pas 5 étages. Tiens, on se demandait si c'est pas l'hôtel de ville. Voilà seulement que j'y prête véritablement attention au niveau du dessin. Et je peux pas rentrer dedans. Non. J'ai pas d'interaction quand je me colle le pif à la porte. Alors, je serais pas surpris que dans une des futures missions, il se passe un truc là-dedans. Que ça m'étonnerait pas. Vous allez voir, je verrai comme un nigaud pendant 1 heure dans la ville sans savoir quoi faire. Oh, la structure comme ça, le bâtiment qui surplombe une voie rapide. Encore un souvenir de vacances. Je crois que c'est une aire de repos près de Mâcon, donc en France. Il y a comme ça, il y a une aire d'autoroute qui est magique et qui a justement une grosse passerelle vitrifiée, enfin vitrifiée, en verre. Et ça passe au-dessus de l'autoroute. Et moi, j'avais pris une petite décoction de nuit. On voyageait de nuit avec ma frangine qui était au volant. Je m'étais offert une petite décoction de nuit. Tiens, ça fait très anglais, ça. En regardant les bagnoles de l'autoroute passer sous mes pieds, quoi. C'est psychédélique, c'est trop bizarre. C'est un peu plus, ça fait mégalopole vachement moderne, quoi. Et c'est con, ça m'a marqué. J'ai vachement aimé cette nuit-là. Cette nuit était magique. Et même psychédélique, j'ai envie de dire, sur pas mal de points de fait que j'aurais vécu. La 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 la. Je comprends pas. Je suis en train de tourner en rond comme un nigaud. Et vous aurez remarqué, la carte de la ville est grande. Hein. Pa 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 pa. Ah, enfin ouais, si j'ai envie de dire, il n'y a que toi SDR apparemment qui est là. Il y a FunFan qui a changé son programme de la journée. Normalement, il aurait dû diffuser en vocale ouverte la suite de ses aventures du samouraï là, dont j'ai oublié le nom.
Il aurait dû. Ouais, le code Konami. Il diffusera pas cet après-midi, mais en soirée. Il a dû décaler son direct prévu aujourd'hui. Il prendra pas l'antenne à 14h, mais à 21h. Faut mettre à jour dans les agendas. D'accord, il t'a MP, ouais, c'est bien. C'est sympa de sa part. Du coup, se pose la question. Alors, je ne diffuserai pas en début d'après-midi. Mais. Ah, d'ailleurs, il faut que je fasse une lessive. Faut pas que j'oublie de lancer une lessive tout à l'heure. Durant mon déjeuner. Je diffuserai peut-être du coup de 18h à 21h, un truc du genre là. Et puis, je ferai le relais à FunFan. Voilà. Il est possible que vous me retrouviez vers 18h tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va rester ensemble sûr jusqu'à midi. Pas forcément sur le même jeu, hein. Si je tombe trop en rond, je vais changer de jeu. Parce que même moi, je vais finir par me lasser. Mais je resterai avec vous jusqu'à midi, là, dans l'immédiat. Et je pousserai peut-être jusqu'à 13h. On verra si j'ai plus ou moins faim. D'ailleurs, c'est pas bien, j'ai pas pris de petit-déj. D'ailleurs, j'ai des petits. C'est quoi ça? Ah non, c'est un truc au sol. J'ai des petits pains aux pépites de chocolat que je pourrais honteusement gober devant vous. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Histoire d'avoir quelque chose dans le bide. Surtout qu'il est déjà 10h. Ah, on voit que c'est la période des fêtes. Hein. Je me décale n'importe comment. Je fais n'importe quoi, n'importe quand. C'est un scandale! Bidi bidi bidou. Ouais, je pense que je vais. On va tenter l'aventure du métro. Metro, Cetro, téléphone. Grand groupe de rock français. Oh, il y a des vilains rats. Oh, les vilains. Oh, il a essayé de me choper, lui. D'ailleurs, je suis en train de voir que c'est pas la bonne arme. Ça, c'est peut-être la bonne. Non, c'est pas la bonne non plus. Ça? Le riot? Contre les rats? Ouais, bof. C'est pour une signature. Tiens, je vais aller par là, on va voir. Bah, j'aime bien l'animation des rats qui te sautent à la gorge et à la tronche. Toute gueule ouverte pour. Bah merde, je reviens là. Bon, bah attends, je vais prendre l'autre intersection. Bon, c'est un autre moyen de voyager rapidement dans la ville, c'est pas idiot. D'ailleurs, c'est pas un métro puisqu'il n'y a pas de rame. C'est une passerelle piétonne souterraine, lui. On nous a menti! C'est un scandale! Je me plaindrai à la mairie! Ibi! Oh, vache! Là, le corridor! Oh! Ah ben oui que je suis bête. C'est mon point de départ au tout début. Bah du coup c'est l'occasion pour moi de reprendre un peu de vivres et de matos. Et du coup là je peux aller derrière le panneau. Parce que je suis pas allé. Voilà. Voilà. Ah bah attends, je vais sauvegarder, mince. J'ai refait le plein de plein de trucs. Ce serait idiot de fermer les yeux là-dessus. Stratégiquement parlant. Oui, effectivement, je craque. Le gros vilain que je suis va honteusement croquer un truc devant vous. C'est pas hygiénique ce que je fais, c'est pas bien.
C'est pas hygiénique. Mais c'est bon. Ça qui est bon. Attends. Oh! C'est nouveau ça. Tiens, tiens. Un interrupteur. Je peux rien faire? Déconne pas. Bah. C'est. Vous vous souvenez dans la une des premières missions? C'est pour activer un champ de force. Dans la ville. D'ailleurs, le champ de force, c'est bête à dire, mais il a disparu. Mais oui, c'est vrai ça. Là seulement que je réagis dans la chronologie des événements. Le champ de force qui entourait l'église, là, il a sauté depuis. Oh. C'est un acte manqué, j'ai envie de dire. Faut vraiment ouvrir l'œil, hein. C'est pas parce que les textures sont répétitives et ternes. Il faut. Ça t'oblige à garder l'œil bien ouvert. Putain, la carte, elle est immense. Ah! Là, pareil, y a rien de. Oh, c'est cool! Oh, y a du matos ici, c'est bien. C'est quoi ça déjà? Ah, munitions pour user. Non, je peux pas interagir avec le schmilblick. Pareil là, la façade bizarre. C'est pas une porte, on est d'accord. Je l'aurais su dès le début. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, je pense que le jeu aurait gagné en popularité s'ils avaient programmé un truc tout con en plus, c'est-à-dire une touche supplémentaire auquel tu aurais eu accès à une aide textuelle, ou de manière posée, il t'aurait rappelé ton objectif, éventuellement dessiné une carte en vue aérienne de la ville ou du bâtiment dans lequel tu te trouves, parce que énorme. Et je pense que ça aurait grandement contribué au succès du jeu. Ça manque clairement au jeu là. Mazette. Je sais pas où elle est. Attends, il y a tellement d'enchaînements de rues, de. Voilà, ça c'est encore un truc de. Là, c'est là où je m'étais fait coincer par les bornes. Oui, je me souviens. Donc j'ai déjà fait par ici. La preuve, il y a rien de nouveau, je me fais pas agresser. Là, c'est la grande place de l'église. Voilà. Bon, si je dégote vraiment rien de neuf à 10h30, je me demande si on va pas passer à un autre jeu parce que le fait que je tourne bêtement en rond, c'est pas drôle. L'intérêt s'effondre et sniff. C'est encore un truc à mon avis que je vais déverrouiller hors antenne parce que là ça n'a plus rien de captivant là. C'était bien rythmé au début. Ah! C'est à nouveau rythmé! Oui! Je vais m'en prendre plein la gueule. La suite! Je n'ai rien dit. Tiens, d'ailleurs, j'ai le droit à un ravitaillement. Waouh! Non, je l'ai pas eu. Ah, il y en a sur les toits. C'est la guerre. C'est la guerre comme c'est pas permis. Oui, ça fait boum.
Chiki boum, ki boum, chiki boum, boum boum. Non, j'ai mal tiré, faut que je vise bien. Mais la bombe, ça lui passe 10 cm au-dessus. Ah! Pourquoi est-ce en sous-sol? Que signifie? Ah, j'ai gagné des roquettes. Ah, il y a des vilains. Si ce sont des vilains. S'ils me tirent dessus, je réponds. Ils me tirent dessus, vilain. Allez mourir. C'est la guerre. Ouais. On fait péter. Est-ce que c'est une porte d'accès? Nous allons le savoir tout de suite. Pas du tout. Cette porte est scellée, elle ne bouge pas d'un Yoda. Elle ne bouge pas d'un push. Oh merde! Il y a encore une balise au-dessus. Oh là 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 là. C'était quoi mon flingue? Bah, les roquettes, je vais les garder un peu, peut-être pour plus tard. Boum. Pépon ou Uzi? Ah, oh, Uzi. C'est pas comme si j'avais 350 munitions. Je vais sauvegarder mon exploit d'ailleurs. C'est pas tout de faire l'idiot, mais. Oui, carré. Je sais pas. Ah oui, ça y est, j'ai cliqué sur le. Ce qu'elle veut dire sur le carré à côté. Alors, je suis un petit peu mon indiscret. Évidemment, libre à toi de me répondre ou pas si tu le souhaites, SDR. Mais je suis ravi de t'avoir dans mon chat. Et du coup, je me pose la question, est-ce que tu es de repos en ce moment? Est-ce que tu es en congé de fin d'année? En vacances? Non, mais c'est un aéronef, son truc. Enfin, je crois. Et là, il fallait cliquer sur une fenêtre. Le mec, il pète un carreau et il rentre par la fenêtre. Si j'allais un peu vers là... C'est vraiment le secteur nouveau là, puisqu'il y a le la chose étrange posée sur le toit. Toué, toué, mou, toué, 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 mou, tout mou, loué. Dadi, dadi, dada. Quand tout habite en ville, dadi, dada. Oui, bah, là, comme il est 19, sans déconner, si d'ici 10 minutes, j'ai rien de nouveau, pas un ennemi qui pointe sa tronche devant mon canon, je change de jeu, là, parce que il y a à nouveau le suspense qui retombe comme un flan. Ce qui est dingue, c'est que souvenez-vous de la première mission, je m'étais amusé à me glisser, enfin à essayer de me glisser entre les immeubles et il y avait un grillage. Et là, tous les grillages ont sauté. C'est-à-dire qu'en gros, la condition, vous n'avez pas le droit de vous promener en ville, a été levée. De manière symbolique. Mais cette ville qui est vraiment énorme. Putain, la carte, elle est.
Elle est waouh waouh. Et nouveauté aussi de ces dernières heures sur la chaîne, ça a bien fait rigoler Fun Fan à qui j'ai fait tester la commande hier soir. J'ai rajouté une séquence où je chantonnais de manière totalement improvisée et en panique dans Duke Nukem 3D aux Caraïbes. La chanson des ananas. Du coup, ce sera pour les VIP. Ils pourront déclencher avec plus ananas. Donc le symbole plus suivi du mot-clé ananas dans le chat pour déclencher le disson. Ça devient la ville de l'ennui, alors que y a pas si longtemps que ça, c'était la ville des zombies. Alors, c'est le genre de situation, comme justement je me plains qu'il n'y ait pas de carte intégrée dans le jeu. Je vais, à mon avis, hors antenne, je vais me casser le cul à sur le papier, à dessiner l'enchevêtrement des, enfin l'enchaînement des carrefours là, pour me dire tiens j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Ah oui, là je repointe directement vers l'église. Bienvenue sur le direct de l'ennui. C'est horrible, mais... Oh merde. Là, pareil, ça s'ouvre pas. Non, c'est pas sérieux. J'ai zéro interaction. Là, y a quoi? Oh la vache, c'est grand. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Je me demande si cette chanson populaire est protégée. Alors, je vais me prendre une sanction de violation de droit d'auteur. Rien que pour ça. Ah oui, c'est les fameux bâtiments où il y avait les générateurs, là, les interrupteurs. Bon, je vais pas prendre une trousse à santé, à pharmacie pour ça. Là. Je suis légèrement égratigné, pas blessé. Il ne comprend pas. Je sens que je vais revenir à mon jeu de rallye sur PS2. Il y a des beaux paysages, ça va plus vite. Et à mon avis, on sera plus que deux sur la chaîne.
Je deviens fou. Je me rends ma boule. Encore 5 minutes max de recherche, de déambulation dans cette mégalopole morte. Et si il ne se passe plus rien, je ferai vroom vroom avec passion. On voit l'église au fond. Tagadigadigadon. C'est là où, si je mets exécution mon plan de lever à la main au crayon des intersections de la ville, là, je vais vous générer un énorme gribouillis. Chiche, promis, si ça se produit, je vous le présenterai à l'antenne. Bon, encore un truc qui est inerte, ça bouge pas. Et merdom, ça veut dire que je suis revenu au début. Mais oui, il m'est familier le bâtiment là. C'est quand même bien qu'il y ait quelques bâtiments qui se distinguent dans leur... Voilà, c'est celui-là que j'avais dit que c'était l'hôtel de ville et qu'il n'y avait rien. Là, il y a la... malheureusement, il y a des restes de dépouilles. Je pense que c'est un de mes anciens coéquipiers qui s'est fait littéralement réduire en bouillie. Voilà, c'est... Ah, les deux, même. Pour ça que la tache est si épaisse de loin. C'est que ça s'est bien répandu. Aïe, j'ai le générique de Chavannes, coucou c'est nous. Bon, alors, je vais faire un petit test qui est de tirer sur l'aéronef. S'il se passe rien, on change de jeu. Voilà, je deviens fou. Je vais être très vilain, je vais m'équiper du lance-roquette et boum. On est d'accord, il ne se passe absolument rien. Même là-bas, je sais pas si c'est la... Oui, c'est la partie arrière du dit aéronef, là. Énigmatique. Je défonce l'entrée. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire on va changer de jeu. On s'ennuie, remboursé. Oh, c'est beau. Spectacle, son et lumière. Bon, allez, c'est ridicule. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, navré de ce triste spectacle. Je vais... Oula, 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 oula. Panic on board. Je ne sais plus ce que je fais. Pouk. Ah, tiens. Eh ben, le temps de la transition, je vais mettre ma nouvelle scène, le plan C, où vous allez pouvoir voir, en fait, en boucle, tourner en boucle les clips de ma chaîne. C'est ce qu'on appelle en anglais Best of, compilation du meilleur. Et c'est ce que je vous promets de diffuser en intégralité samedi au 1er janvier à l'inauguration de la chaîne. Je mettrai ça durant ma pause déjeuner pudiquement pour conserver le signal et que vous ne me voyez pas mâchouiller comme un bovin là, face caméra.
Je vais mettre ça le temps de changer le titre et puis de. Je repassais sous WRC2 parce que je m'y éclate. Voilà. Avec un peu de chance, ça va attirer du monde. Alors, on commence par ça. Hop D'avoir une là, redondance c'est parti. dans les tracés. 54, droite. Ouais, mais c'est. Alors, comme tu dis, 150, une droite droite. scène par Sur rapport à 4. l'ami FunFan et ses diffusions depuis chez lui. Dans 4 gauche. Et 5 Je suis droite mort! dans épingle gauche. Il faudrait carrément être sur place avec lui parce que même s'il me fait. Ouais, non, je pense que je vais fermer. Je pense que je vais fermer. Oh merde! Il y a la miss! Oh, j'espère qu'elle m'a pas vu. Elle m'a vu! Oh, qu'est-ce que c'est con! Excusez-moi! Oh la vache! Bugué! Mais c'est horrible! Le jeu a bugué! Sort de la grotte, j'adore! C'est magnifique! Vachement bien! Magnifique! Arrive par là. Ah putain, j'ai eu peur. Oh le con, je me suis fait peur avec le miroir. Les productions Mauvais Coup présentent. C'est du tout cuit. Mais. Moi, je le vis plutôt bien, mais. Ah, on a une flamme qui danse. Ouais, la flamme qui danse. Oh, le délire. Ça y est, c'est fini les. On est marre, moi, des. Ah, j'ai dit que j'en avais marre! Je les ai tous trucs. Ah, cool. Ah oui, belle trajectoire! Nitro, je me barre! Adieu les gars! Ouah. Comme Fantomas! Non! Non! Énorme! Et je suis dans le bon sens, mais c'est horrible! C'est horrible! Oh, c'est crash de fou. Ah!